Salut à tous, c'est Steph et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 14, la carrière avec le Leyton Orient. Et donc on continue, aujourd'hui on a un match, le dernier match des poules contre Inverness, le match retour. Puis on aura un match contre Aston Villa en championnat extérieur et un match contre Barnsley à l'extérieur. Hein. Je vous rappelle qu'on a fait le match contre Barnsley il y a même pas 3 semaines. Enfin, il y aura même pas 3 semaines, qu'on avait gagné 2-0. Donc on verra bien ce que ça donne, on va essayer de se venger face à Birmingham. Hein. On s'en avait perdu, on avait perdu un petit but à zéro. D'ailleurs, je veux savoir le classement. C'était notre première défaite, donc. C'était notre première défaite, on est à 4 points de Norwich. Donc pour l'instant, on est bien en championnat quand même, on est plutôt bien. J'ai perdu une fois, mais il n'y a pas de quoi se plaindre non plus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va louer notre équipe. Et je veux la type. Vous mettez la type sur ce match, les gars. Vous mettez le paquet. Mettez le paquet, je veux pas savoir. Quoique, on n'a pas forcément besoin. D'accord. Ok. Bon, ben, on va le laisser au repos alors. Mais ça fait plaisir s'il revient. Combien de temps il en a? 3 semaines. On va le laisser se reposer tranquillement. Mais ça fait du bien si on récupère quelqu'un. C'est toujours ça. C'est toujours bien de récupérer des gens. Donc, on va faire le match retour. Cette fois-ci, c'est à la maison. Contre Inverness et tout le monde est en forme, mais on a un match fin de semaine. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire jouer les remplaçants parce que j'ai confiance en les remplaçants, hein, mine de rien. C'est les seuls qui m'ont fait la victoire dans le match précédent, donc on va quand même leur donner une confiance, hein, une certaine confiance. Et on va mettre, on va faire jouer. Baldock, quand il joue, il est à peu près souvent bon. Et Winslow, on va mettre Azog. Et derrière, on va mettre l'habituel. Et Léanj de l'autre côté. Afureto Amassi. Oui, c'est pas facile à dire hein, quand même comme nom ça. Hein. Afureto Amassi, c'est pas facile comme dit. C'est pas facile à dire. Hop, et on va se mettre un petit Fiola ici. Donc, Cuthbert, on va le laisser au repos. Jidai. Ou alors on commence le match avec Jidai sur le terrain. Et on teste. On teste le Jidai et on va laisser le Finn sur le banc. Finn Lazima. Et ça c'est... On va mettre Bat peut-être. Parce que Bat il peut être décisif hein, s'il veut bien. Il peut être décisif. Et on va mettre du James sur le banc. Et on va rentrer Bossetti à la maison. Tout le monde a un bon moral sinon. Fiola, il a pas un bon moral. Après, tout le monde a un bon moral. Tout le monde est content, ça veut dire. Ça fait plaisir. Léanj, il est pas malheureux, lui. Parce qu'il disait pas qu'il voulait se casser, un truc comme ça. Donc, hop, Clark Baudry. On est OK. On a Fiola pour remplacer. D'ailleurs, je sais pas si on va pas le mettre. À la place de Clark. Comme ça, on a Baudry, Fiola. D'ailleurs, Fiola est monté à 61, dis donc. Il était à 59, je crois, quand on l'avait eu. Il faudrait tout massif, il peut jouer défenseur central. Ouais, mais il est trop rapide pour jouer défenseur central. Il va vouloir défendre, il va partir comme une fusée dans le but adverse. Donc Volman. Volman qui monte pas. Hein. C'est vraiment son problème. Hein. Il a 21 ans. Ouais, je sais pas pourquoi, mais il monte jamais ce pauvre garçon. Bon, Jidai, ok, et Bieler devant. Bieler qui est plutôt bien, hein, franchement. Même dans cette position qui n'est pas ça. C'est pas vraiment sa position de base, mais il se débrouille plutôt bien. Il me fait pas trop de la merde, on va dire ça comme ça. Il a même évité de toucher le mannequin en passant. Allez, Europa League match retour. On va savoir si on va être troisième du groupe, ou premier, ou deuxième. En tout cas, de l'autre côté, il y a une grosse affiche. Rubin Kazan contre Naples, qui promet d'être intéressante. Qui promet d'être assez intéressante. Alors on va de notre côté espérer faire un bon match. C'est toujours le but. Hein. Enfin, vaut mieux faire des bons matchs. Hein, sinon, ça sert à rien de jouer.
Allez les gars, on presse fort, on y va sec. Bon, pas de but à la 5ème minute, hein. On va lui envoyer à lui là, oui. Il a foiré tout massif, il est rapide le loulou, il est rapide. Oula, ça c'était une mauvaise place. Ouh, ça, ça valait un carton. Je vais prendre une bonne biscotte là. En plus, je prends pas de. Il faut aller marquer un but là, les gars. Si vous voulez éviter la biscotte, il faut aller marquer un but. Non, ça c'est mauvais ça. Jidaï, t'as déconné là. Jidaï, t'as déconné. Et... oh non, c'est salaud. C'est salaud, il n'y avait pas faute en plus. Voilà, bon, là je joue bien parce que là j'ai comme. Eh, là franchement, ça valait pas faute. Hein. Ouais, je sais pas si ça valait faute. En plus, il était bien parti, Volman. Il avait fait ce qu'il fallait. Bon, là, McLaughlin est là. Dès la 8ème minute de jeu qui prend un carton. Allez, McLaughlin. Ah, bien joué. Bien joué quand même. Tu l'as bien gêné. Ça a suffi. Voilà, c'était pas pour lui. Allez, pour Bieler là-haut, sur le côté. Bieler qui est parti. Bieler qui est parti. Qui est parti, mais qui va s'arrêter. Merde. Oh le salaud, il m'a piqué le ballon. Ouais, il fallait intervenir, c'est bien. Ah, bien joué ça. Allez, Jidaï. Oh non, il est pas hors jeu. Oh, c'est pas vrai, il est pas hors jeu. Oh, il est parti trop vite. Non, il est pas hors jeu. Il est pas hors jeu là. Non, 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 non. Je veux pas savoir quand il tire, il est pas hors jeu le mec. T'es dégueulasse, monsieur l'arbitre. En plus, là, le gardien, il fait totalement chier. Alors, je sais pas si... oula, s'il avait fait exprès, ça va sortir. Il s'était totalement chier, le gardien. Ça m'aurait bien arrangé. Allez. Allez, ça, c'est bien envoyé, ça. C'est bien envoyé. Oh, non. Qu'est-ce qu'il a fait, Jidaï? Il s'est emmêlé les pinceaux, là. Il s'est emmêlé les pinceaux. Je sais pas comment il s'est retrouvé à tirer, à faire une frappe aussi mauvaise, là, mais... allez, McLaughlin, là. Merde. Léonji, là, il faut presser, là. Ça, ça va sortir, ça va sortir, ça va sortir. Ouh. Putain, j'ai eu peur, là. Je sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait. Hein. Je crois que c'était Fiola, ouais. Il a failli le toucher. Il aurait touché, j'aurais été dégoûté. Putain, ils sont bien regroupés en défense. Hein. Ah, mais ça c'est... ouh, c'est passé en plus. C'est passé. Oh, c'est pas passé. C'est pas passé plus loin. McLaughlin, la frappe qui sera bien captée par le gardien. C'est dommage, c'est dommage. C'était déjà une... première frappe cadrée. Enfin, deuxième. Voilà, bien joué ça. Bien joué ça. Non, Volman, il peut pas la perdre, Volman là. Putain, mais. Azog là. Bien joué. Ça, c'était bien joué ça. Allez, ça c'est bien joué pour Baldock là. Baldock il est bien parti. Baldock il va s'arrêter. Merde, il a pas percuté. C'était l'intervention qu'il ne fallait pas rater. Et ça, ça va sortir. Même pas. Même pas le bâtard. Allez, c'est pour Jidaï ça. Bon ballon d'attaque. Il va me piquer le ballon. La frappe. Oh, il est pas hors jeu. Mais c'est quoi ce hors jeu là? Il est pas hors jeu. Ah si, bon là je veux bien. Là je veux bien, je le voyais pas hors jeu en fait. Quand j'ai fait la passe. Il a fait la passe un poil trop tard. De toute façon il avait. Voilà, c'était pas pour Jidaï. C'était pour en bas, c'était pour Baldock. Attention, pas commettre de faute. Volman, tu t'arrêtes pas dans ces cas là. Oh. Waouh, c'est salaud ça. C'est salaud ça. Et ce centre qui ne donne rien et l'adversaire peut allez partir. Bon Volman. On va repartir là-haut. Jidaï.
Ah, c'est pas passé, j'aurais dû la tenter en LBY. J'aurais dû la tenter en LBY. J'ai voulu trop la jouer à terre, en plus il y avait du monde. Jidaï. Bien joué ça, c'est bien joué, c'est pas en jeu ça. Oh par... C'est quoi cette passe? C'est quoi cette passe là? C'est quoi cette vieille passe là? Putain, j'aurais dû taper le centre et pas, pas faire un caca comme ça. Oh le salaud. Bien joué. Mais le défenseur est intervenu magnifiquement. Oh Baldock, Baldock qui a tout pété là. Baldock il a tout pété. J'ai cru qu'il allait pas l'avoir en plus. J'ai cru que tout le monde allait se casser du ballon. Allez, ça c'était bien joué pour Bieler. Bieler, Bieler la frappe, c'est trop sur le gardien, ça va rentrer, ça va rentrer, c'est le but. C'est le but de Bieler à la 59e minute sur cette bonne frappe qui est juste repoussée un peu par le gardien mais qui rentre. Voilà, c'est un peu de la chance, mais bon. Voilà, c'est quand même, on domine, alors ça fait plaisir que ça soit récompensé. Putain, j'ai vu partir le ballon, j'ai dit ça, ça va pas passer. Alors j'ai pas trop compris qu'est-ce qu'il y a eu. Ouais. Elle s'est tombée pile dedans. Hein. C'est tombé pile dedans. Ouais, ça a rebondi sur la jambe du gardien et c'est rentré. Et ça, ça fait plaisir. Un but de Bieler à la 59e. Allez. Allez, Bieler. Bieler, bien joué. Bieler, bien joué, ça, pour Volman. C'est bien parti, ça, pour Volman. Volman qui va s'enfoncer. Qui va totalement s'enfoncer, totalement se guaquer, s'auto-guaquer là. Bien joué, ça c'est bien joué ça. Pour casser l'attaque, ça c'est bien joué ça. Ah le salaud. Le rebond qui lui tombe dessus. Ah non ! Putain, Jidaï, pardon, putain, je confonds les lettres de son nom. C'est assez embêtant. Bien joué. Ouais, ça, ça passe pas normalement. Hein. Ce sera un corner. Ce sera un corner, je le sens mal, ce putain de corner, je le sens mal. Allez les gars, on va pas les laisser marquer sur leur seule occasion. Voilà. Le tacle qui fait rien. Oh, oh, ça passe à côté. On a eu de la chance parce que là c'est quand même dégueulasse. Que je sais pas qu'est-ce qu'il a fait Baudry là. Il a, je sais pas, il a eu le ballon. Je lui ai dit de dégager, mais il a pas dégagé. Il l'a gardé dans les pieds. Il se l'est fait chourave. Allez les gars, il faut conserver le résultat. C'est un bon résultat. Ça nous assure une première place sans pépin. Allez, Volman pour la frappe. Dommage. Dommage, dommage. Ça, c'était bien joué, ça. Gardien. Gardien, tu sors. Ah, la faute. Carton pour le gardien, je crois. Carton rouge. Carton rouge pour le gardien, c'est abusé. Putain, c'est abusé un rouge. Putain, j'ai... Et en plus, voilà, j'ai pas pris de gardien remplaçant. Je vais devoir finir le match avec un... ce qu'on va faire, on va faire ça. Oh putain, quelle merde. Qu'est-ce qu'on va mettre? Qui c'est qui va jouer gardien? On va mettre Winslow parce qu'il est bon. Ah, c'est dégueulasse quand même prendre un rouge, ok qui prend un jaune, mais attends, mille fois on te fait des fautes comme ça à toi devant la surface et tu prends pas de rouge, hein.
Enfin, ils prennent pas de rouge, hein. Il y a beaucoup d'animation. En plus, il y a un, ouais. Il va y avoir des changements. Ils sont deux autour du ballon. Bah, putain, le salon. Ils ont concédé ce coup français. Allez. Pendant que le joueur fait ses buts, on va tranquillement revoir l'action. Ah, le salaud. Ouais, c'est clair que... Là, elle était jolie. C'est vrai qu'elle était jolie, donc on va essayer de... On va essayer de faire ça, hein, qu'est-ce que tu veux. Non. Il est pas hors jeu. Putain, mais c'est quoi ça? Ah, merde. Putain, je l'avais pas vu hors jeu. Quand je l'ai demandé, il était pas hors jeu. Mais après, là, il s'est fait arracher le... Il s'est fait arracher l'épaule, donc du coup... Putain, les salauds. On s'approche du but. Allez, bien joué. Oh non. En plus, il est propre, le tacle. Je vais reprendre un rouge. Non, mais non, mais là, non. Là, c'est abusé, là. Il était propre, hein, mais il était sur le ballon, en plus. Et ça y est, là, tu me... Putain. Là, franchement, ça devient dégueulasse, là. On va mettre là, et on va faire entrer Clark. Ah, merde, c'est vrai, il peut pas être remplacé, c'est vrai. Du coup, comment on va s'arranger ça, non? Comment on va s'arranger ça, bordel? Dispositif, putain, on va perdre, hein. Du coup, on va perdre, c'est quasiment obligé. Ouais, c'est abusif, parce que le tacle de Lundi, il est sur le ballon, en plus, c'est sur le ballon, et c'est juste que, enfin, voilà, quoi, il touche le ballon, hein, en premier. Tiens, on va regarder le ralenti. On va jouer en comme ça. D'ailleurs que j'ai un chat qui crie. Il est totalement... Il est aussi offusqué que moi. Au moins aussi offusqué que moi. On va faire ça. Et là, on va faire ça. Et Volman, qui pourtant était bon. On va le sortir. Et on va faire entrer Clark. Putain, j'ai que Bielard devant. C'est honteux quand même. Deux cartons rouges. Ça y est, j'ai le rollbug du carton rouge. Elle va pas le tenter en direct alors. Si ? Non, c'est totalement au-dessus. On va prendre notre temps alors. On va passer en équilibré. C'est sans doute pour ça qu'il rate cette occasion si importante pour son équipe. Une petite stat sur le nombre de fautes. Ah, c'est dégueulasse, hein. Ils sont sévères, hein. Franchement, les cartons rouges, ils sont ultra sévères, hein. Surtout le deuxième, hein. Le premier, ok. Déjà, un carton rouge, c'est pénalisant. Mais deux comme ça. Putain! Ouais, bon tacle, mais c'est pas fini. Allez, s'il marquait sur ce ballon, ce serait le bon moment. Allez! C'est pareil pour nous. Si on marque sur ce ballon, c'est le bon moment. Oh putain, Forêt Toumassi, c'est quoi cette passe? La frappe! Dommage. Dommage, dommage, dommage. C'est fini. C'est le match nul. Putain, deux cartons rouges, quoi. Deux cartons rouges. Bon, le premier, ok. Là, le premier, je dis pas non. Mais par contre, le deuxième, mettre un rouge direct, c'est quand même... C'est sévère, hein. C'est sévère, hein. De mettre un rouge direct, surtout que le tacle, il est sur le joueur, quoi. Ah oui, c'est vrai. Putain, c'est quoi cette dotation? Non, c'est parce qu'on a fini les groupes. Coupé d'un match de suspension. Coupé d'un match de suspension. Heureusement, Lenji, c'est pas le titulaire. Donc, du coup, on fera jouer le gardien remplaçant. Ça a viré au rouge, effectivement. Au double rouge, même. Non, je voulais pas voir le calendrier. Je vais voir le tableau. Parce que ça m'intéresse. Qu'est-ce qui s'est passé entre Kazan et... Ah, c'est Kazan qui a gagné contre Naples, donc Kazan est avec nous. Passe avec nous, donc on a quand même la première place. Conférence de presse contre Aston Villa. Putain, on va motiver notre équipe, hein. Parce que là, de toute façon, ben, on va continuer. Sélectionneur du Paraguay, non. Je suis désolé, je ne veux pas être sélectionneur national dans cette carrière. Repasser l'année prochaine, peut-être. Alors là, ça va être un match tendu. Parce qu'ils sont pas mauvais à Aston Villa, ils sont pas mauvais ces cochons. Donc on peut pas jouer avec Jones, forcément. Il a le droit de jouer, Jones?
Ou c'est que il laissait une suspension seulement pour les matchs d'Europa League? Ah si c'est ça, c'est pas trop grave encore. Parce que je vais Jones, ça va. Bon, Jones c'est un titulaire, mais Lenji, je le fais jamais jouer en match. Hein. Bon, comment on a fait jouer l'équipe Ils sont fatigués. Baudry est un peu fatigué. Ce qu'on va faire. Non, on va mettre du Ciola. Par contre, on va quand même se laisser un gardien. C'est jamais. On va sortir Lazima et on va se laisser Larkins. Hein, vous voyez hein, pourquoi il faut toujours se garder un gardien? On sait jamais. On peut toujours nous arriver des couilles comme ça. Putain, pourtant, en plus, avec cette équipe, je garde toujours un gardien en réserve. Et il a fallu que c'est sur le match où j'enlève le gardien, je perde mon gardien, quoi. C'est quand même abusé. T'as même pas. J'ai fait exprès de tirer entre les cibles. Allez. Bon, on espère qu'on va, ça va mieux se passer, hein. 55 points, on est à 4 points devant Norwich. Donc on va essayer de rester devant. De toute façon, même qu'on perde ou qu'on gagne, enfin, on restera devant. Ils sont troisième. Allez. Ouh. Elle s'allonge vers la surface. Ouais, ils mettent la pression, Aston Villa, ils mettent la pression. Le champ libre, bien joué, Watt Pro, c'est impeccable ça. Et ça leur donne un bon ballon de contre. La bonne passe. La frappe. Oh non, Bossetti, tu peux pas me la rater celle-là. Bossetti, tu peux pas me la rater celle-là. Sur cette contre-attaque, tu ne peux pas me la rater là. C'est impossible de me rater ce ballon là. Tiens, il a une accélération lui. Truc de malade. Comment il m'a totalement guaché sur son accélération. Et ce sera touche pour eux. Là, tu peux. Là, c'est impossible de faire un centre précis en fait avec un truc comme ça. Ah, ça c'est, t'as déconné là. Enfin, la passe c'était pas forcément bonne non plus. Hein. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Il y en a un qui a des chaussettes courtes, non? Ou alors c'est les motifs des chaussettes. Là, c'était bien joué. Par contre, la passe, la relance est mauvaise. Mais Baudry est là. Putain, mais la relance est une fois de plus mauvaise. Mais Omosusi est là. Allez, faut se sortir de là. Allez, c'est bien envoyé ça pour Finn. Mais ça ne va pas passer. La frappe de Finn et le but de Finn. Sur ce combat contre le défenseur. Ah non, en fait, c'est le motif des chaussettes qui fait que... Les joueurs blancs, on dirait qu'ils ont des chaussettes courtes, en fait. Ça fait trop bizarre. Ça fait trop bizarre. Ça fait totalement pas classe. Le rayé au niveau des chaussettes, c'est vraiment pas top. Hein. Bon, en tout cas, il a mis une bonne petite frappe et qui nous fait l'ouverture de score sur cette contre-attaque. Alors que depuis le début, on subit honteusement même. Honteusement. Et on vient marquer un but totalement honteusement, toujours le même. Et ouais, parce que nous, on est comme ça. On marque honteusement. Ça va, c'est moi qui lui fais la passe. Quoi? Comment ça faute commise? Comment ça faute commise? D'ailleurs tiens j'ai pas regardé, ça me rappelle que j'ai pas regardé l'autre. Alors hop, il récupère le ballon, il passe, ok. Ça y est, d'accord. La faute alors que le mec, tu sais, je le touche, je le rafle à peine alors qu'il a plus le ballon. Ça s'est bien défendu, ça. En plus, c'est propre à la relance. Franchement, ça fait plaisir. Bossetti, qu'est-ce que tu fous là, Bossetti? Winslow, la frappe de Winslow. Oh putain, dommage. J'aurais dû la tenter bien dans le premier, enfin dans le côté opposé du coup, de la course à Winslow. Ça aurait été un peu moins compliqué pour lui. Faute de moi?
Putain, comment gagner 30 mètres? J'ai pas senti que j'avais faute, hein. J'ai pas, je me suis pas senti fauté. Oh, c'est joli ça, ça c'est. Ça, c'est dommage. C'était une bonne interception en tout cas. Ça n'ira pas plus loin. C'est une perte de balle. Allez. Vers la zone de vérité. Allez. Il va marquer lui. Oh, oh, qu'est-ce qu'il est honteux celui-là. Qu'est-ce qu'il est honteux, parce que là il avait tout le champ, là il marquait là où il voulait. Là, là il marquait là où il voulait. Il pouvait ajuster le gardien tranquillement. Putain, tu vas arrêter de m'envoyer des briques comme ça, ça c'est. Je te demande pas forcément d'envoyer des briques, moi. Ouh, c'est joli ça. Oh non, il a été poussé. Il a été poussé, la deuxième frappe de Finn qui passe. Ah, c'était honteux quand même, parce que là, il était un petit peu victime d'une petite faute. Hein, c'était pas un simple contact, hein. On m'aurait sifflé déjà ça. Hein. Ça aurait été moi, on m'aurait sifflé déjà ça. Mais Finn, regardez un peu. Bim. Bon, je lui ai un petit peu rentré dedans, moi, c'est vrai. Finalement, c'est moi qui lui ai un tout petit peu rentré dedans. Mais on m'aurait quand même sifflé faute à leur place. Et la deuxième qui met là, presque la même que la première d'ailleurs. Je serais le gardien, je dirais putain, oh le bâtard. Oh le bâtard, il m'a guaqué. Deuxième petite frappe. Et ça, ça va sortir. C'est sorti. Ouais, voilà, on gagne 2-0 contre Aston Villa, totalement contre le cours du jeu. Parce que regardez, on a 40 de possession. Que sur les contres. Quand je vous dis que les contres, ça marche mieux que les attaques directes. Ouh, je me fais pas fauter là un peu. J'ai pas une petite faute là sur moi, non? Moi, il me semblait que j'avais fait une faute sur moi là. On va relancer le. Merde, oh putain, le Finn il a. Je sais pas pourquoi il est allé me piquer dans ce secteur là. Il a repiqué dans l'axe totalement bizarrement. Petit avantage de 2 buts, un doublé de Finn hein, sur contre-attaque. Et ben ouais. La Bossetti, franchement, il aurait pas dû la rater celle-là. Parce que là, c'était un bon contre. C'était très très bien joué. L'action collective était parfaite. Il ne manquait plus que le but. Ah, oh, dommage. Sawyer. C'est la touche pour Aston Villa qui va la jouer totalement dans le guac. C'est très bien taclé ça. Très bien taclé, mais même si on aurait pu. Allez. Oh non, je la voulais plus dans la course. Ça c'est là. T'as déconné là, ça c'est. Franchement, t'as déconné quoi. Ah, oh, bien joué ça. Bien joué, la bonne pression là. Bossetti qui sait pas trop quoi faire. Oh, ça c'est châteux ça. Ça c'est châteux. Je suis en train de me découvrir au niveau de la défense. Faut pas que je fasse ça. Bien joué, Winslow. Sauvetage in extremis, hein, du défenseur magnifique. C'est pas un défenseur, c'est un milieu de terrain. Ouh, ça c'est. Là, il y a faute là. Là, par exemple, il y a faute là. Bien joué encore une fois, Winslow. Merde, on aussi qui se chie totalement. En tout cas, il y avait faute là sur ça, c'est par exemple. Parce que c'était totalement honteux ça. Ouais, la tête. Eh, franchement, la tête. Elle est pas sympa, celle-là. Ils vont me guaquer, là. Je le sens, là. Quoi, faute? Je l'ai même pas touché. Quel avantage. Ouais, bien joué, Jones. Bien joué, Jones, parce qu'elle était pas facile, celle-là. Quel avantage, là. Je l'ai même pas touché. Ok, j'ai fait un tackle ultra ultra short à côté de lui, mais je l'ai même pas touché quoi. Le mec direct avantage. Ouah, bien joué Jones. Oula ouais. On va arrêter le jeu parce que là. Qui c'est que j'ai blessé? Omosusi. Merde, j'ai personne pour le remplacer. Qui c'est qui peut jouer DD? Winslow, il peut pas jouer DD. Si. Winslow va jouer à sa place alors.
Mais Omosici, il va se faire remplacer par Azog. Luxation de l'épaule, ça c'est chiant. Ça c'est chiant, c'est Afoiré Toumoisi qui va être un petit peu emmerdé maintenant. 70e minute. Il va devoir sortir, il va devoir sortir. Tu me rends le ballon, je veux pas savoir. C'est parce que j'ai arrêté le jeu. Donc moi j'ai le droit d'avoir le ballon. Ouais, tout le monde va bien. J'espère que ce n'est pas trop grave. C'est moi qui ai fait exprès d'arrêter le jeu. Vous étiez pas en phase offensive. J'aurais pu contre-attaquer comme un salaud, profiter de la blessure et du couac de tout le monde pour. Rossetti. Oh putain, ça c'est bien joué ça par contre. La frappe de Fine qui passe juste à côté, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Elle est un peu trop croisée. Un poil trop croisée, mais elle était bien jouée. La passe de Bossetti, elle était parfaite là. Elle était bien loin, il fallait là. Bon, ça fait toujours 2-0. Oula. Bent est bien en Bien contact. joué, Vinslow. Il est très très bon, Vinslow, depuis le Décisive, début du match il là. devrait bientôt effectuer un changement. Ouh. La récupération au milieu de terrain. Bien joué, bien joué, il Et n'est pas hors jeu. Carton rouge, là tu mets carton rouge. ah, la sanction Voilà. est immédiate. Là c'est Attention, normal. carton rouge. Là c'est Il n'a normal. pas eu le choix en effet. Hervé, c'est Parce qu'au l'expulsion. match précédent, on m'a mis L'arbitre carton rouge sifflera sur un truc comme et ne ça. dira rien. Et là c'est carton rouge aussi. Épaule contre épaule, assez appuyée. L'arbitre est en Bam! train Dans de ta sortir le gueule! coin du plateau. J'ai pas un tireur de coup franc là. Changement tactique est peut-être En plus, on est risqué. vachement près, donc là il faut tenter la grosse patate. Fine, il a une grosse patate. Par contre, il est pas du tout précis. Et Bossetti, il est un petit peu intermédiaire. On va tenter la grosse patate. Non, ce coup franc Et ne ce donnera sera rien. Bon, il aurait totalement à bien aimé côté. Un savoir. corner, un corner. Ah, ce sera une touche. Non, c'est un Effectivement, ce corner. sera un corner. Je veux voir. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une touche? Ou est-ce que c'est un corner? Ici, tiens, répondez-moi dans les commentaires. Ici, là. Oui, là. C'est un corner ou c'est une touche? Parce que moi, j'ai un corner, ça dépasse la ligne. Enfin, ça dépasse pas la ligne, mais quoique, ouais. Et là, on peut pas faire plus le coin, là. Et là, je crois qu'on peut pas faire le joueur, je sais pas où est-ce qu'il va se foutre. Ah, c'est bien, alors on risque pas le hors-jeu comme ça. Rossetti. Pour ça, Retour à c'est. C'était l'instant. pas aussi. C'est pas pour aussi loin. Hein. C'était plutôt pour. Non, il peut pas être hors-jeu. Oh, c'est quoi Dommage. c'est. Et l'entraîneur qui n'est pas content parce qu'il sait que ça donne un bon coup franc à l'adversaire. Un bon coup franc. Alors attendez, attendez, parce que. Où ça, un coup franc? Parce que j'ai pas vu coup franc, moi. Oh, c'est léger siffler ça là. Non, là par contre, là c'est dégueulasse pour. C'est dégueulasse pour eux là. Là je trouve ça totalement injuste pour eux. Ça va totalement être dans les nuages. C'est injuste pour eux parce que là de toute façon, il y avait rien là. L'arbitrage, hein, en toute sa splendeur. Par contre, le carton rouge, il aurait pas pris de rouge, il n'y aurait pas eu de faute là. Ça aurait été totalement dégueulasse par rapport à ce qui s'était passé au match précédent. Inzaghi. Et du coup, ils ont eu un carton rouge, donc ils sont un de moins. Oh non! Ça c'est peut-être pour la frappe! Oh, ça c'est. Ça c'est. En plus, il a réussi à passer au milieu de tous les défenseurs pour tenter la grosse frappe, mais qui est à côté. Le gardien était battu, en plus, il n'avait pas réagi. Bon, mais tant pis, hein. Ça fera victoire sur un doublé de Fine. Victoire sur un doublé de Fine. Winslow. Et hors-jeu, je crois. Il me semble qu'il est hors-jeu. Ouais. Mais pas beaucoup. Hors-jeu. Encore une fois, Hors-jeu, ne. penalty trop tôt. Le Ouais, ballon a ouais. été donné Un trop peu tard. plus court que ça, le hors-jeu, normalement. Il s'est décalé bien au dernier moment, le monsieur, hein, en face. Il faut croire qu'ils jouent tous le piège du hors-jeu, en Ah, fait. quel effort sur cette interception, c'est impeccable. Là, par contre, il est pas hors-jeu. Par contre, la passe, elle est un petit peu trop longue. Oh, dommage.
Dommage, dommage, parce que là, il aurait amené son ballon avec lui, Fine. Il aurait pu tenter la frappe pour le tripler. Mais non, ça s'arrêtera là. Et on a toujours perdu un joueur, Omosusi, qui est tombé au combat. Il est tombé au combat, Omosusi. Pendant combien de temps? 8 semaines. Putain, ça fait beaucoup, 8 semaines. On a le mercato qui arrive, on va peut-être prendre quelqu'un en prêt. Martin Thomas. Pourquoi j'avais fait... Ah oui, digne de l'équipe prometteur. 400, ok. Joan Carb. Cavallaro. Non, lui il a l'air plus intéressant, un peu plus complet. Même s'il vaut moins cher. Non, ils valent pareil. Il a une très très bonne endurance, lui, ça fait plaisir. Pour un milieu droit, c'est plutôt sympathique. Un grec. C'est un défenseur droit que j'ai perdu. Ouais, mais j'ai toujours Vinslow qui peut jouer défenseur droit. Ah, de toute façon, je cherche toujours un défenseur gauche. Est-ce qu'il est rapide? Vitesse, oui. Au niveau des centres, c'est pas top, hein. C'est encore moins bien. 375 000, il vaut, lui. Et lui, il vaut moins que ça. Pourtant, il a l'air d'être plus intéressant. Je le trouve moins rouge au niveau des stats. Il est pas très technique. Il a pas beaucoup de tirs, mais bon, c'est un défenseur gauche, quoi. Il demande pas de tirer. Je demande juste de bien centrer. Bon. Conférence de presse pour le match contre Barnsley. On va louer notre équipe parce qu'on a gagné contre Aston Villa. On a gagné contre le troisième. Ça prouve qu'on mérite totalement notre place. Alors on va voir qu'est-ce qu'on a. Qu'est-ce qu'il nous a trouvé là? On a ces deux-là. Attaquant prometteur digne de l'équipe. Milieu axial digne de l'équipe. Daniel Bessa, il est digne de l'équipe, on est sûr? Tu veux aller regarder qu'est-ce qu'il vaut? Tiens, il y avait lui là qui était intéressant. Qui est assez complet. Lui, dans le genre complet, il est pas mal. Bon, on verra bien ça au mercato, on n'y est pas encore. Toujours est-il qu'on a les 2 millions, 2 millions 800 000, donc on a les sous de côté pour prendre monsieur, comment il s'appelle déjà? Non, 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 c'est moi qui le fais. Ah oui, c'est à cause de Mosusi, je me demande, qu'est-ce qu'il me raconte lui? Non, c'est à cause de Mosusi qu'il est blessé. On a Cuthbert qui est en fracture du tibia qui va revenir. Ah bah c'est bien, donc du coup on pourra mettre Fiola sur le côté. Et ouais, Fiola peut jouer DD donc. Fiola peut jouer DD donc du coup oui. Ouais, ça va faire du bien ça que Cuthbert va revenir. Ça va faire plaisir. Il y a encore un peu de temps de réhabilitation. Donc on va faire ce troisième et dernier match contre Barnsley. On va jouer avec l'équipe. Pas celle-là. Pas celle-là, l'autre. On va mettre Fio là. Léanji peut jouer, il peut jouer, bah il va jouer alors. Clark est un peu fatigué. On va se mettre du Baudry sur le banc pour que les deux puissent tenir le coup. Et on va enlever ouais, du Lazima. Au milieu, on va se mettre du Jurjou. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. On va se mettre du James. Et du Azog. Moi, mais j'aime bien McLaughlin. J'aime bien McLaughlin de ce côté-là, moi. Je trouve bon. Je trouve bon de ce côté-là. De ce côté-là, on va remettre Volman parce que je trouve encore une fois très très bon. Je préfère mettre Bieler devant à gauche que McLaughlin. Hein. Enfin, tiens, on va tous essayer sur ce match les inverser. Mais je préfère McLaughlin au centre normalement. Je sais pas, je le trouve plus intéressant quand il joue au centre. On va mettre Bad devant, parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. On va mettre Carroll sur la feuille de match. Jidai, il a joué il n'y a pas longtemps, donc on va pas le faire jouer.
Baudry, hop là, et hop là. Bossetti va sortir. On va mettre Camello Reyes. On va sortir du vieux, du placard. Enfin, du vieux. Ils sont jeunes, hein, mais. Vinslow, on va mettre... laisser Vinslow. On va le mettre dans le remplaçant là, comme ça on reposera Baudry. Et on va mettre du Chirat pour changer un peu. Mettre du Chirat pour changer un peu. Donc on a Vinslow qui peut jouer défenseur. On a James, on a Chirat qui peut jouer défenseur gauche aussi. Et on a Baldock, Camilo Reyes, Carroll devant. Ouais, on va jouer comme ça. Clark est un peu fatigué, Jones c'est un peu fatigué. Du coup, on va faire jouer Larkins pour ce match. On va faire jouer Larkins, voilà. Ça reposera un petit peu Jones. Il sera en forme. Il sera en forme pour les premiers matchs d'Europa League, hein. Les premiers huitièmes de finale. Ça fait plaisir. Leighton en huitième de finale d'Europa League. Bon, je pense pas qu'on va la gagner cette en deuxième saison comme avec Lens, hein. Je pense pas, hein. Ce serait quand même assez abusif de gagner. Parce que ça... Avec Lens, ça allait, mais Lens est quand même plus fort que Leighton. Hein. Quoique des fois, je me pose la question. Non, mais je sais pas, cette équipe, je l'aime bien quand même. Ah, c'est dommage parce que je voulais que ça soit. Je voulais pas que ça soit lui qui parte. Le centre. La tête de Bott, elle était pas mal en plus. Georgiou qui est trop petit. Faire la tête. Ah, bien joué, ça repart bien ça. Oh non! McLaughlin qui s'était arrêté, c'est dommage. Ouais, il fallait intervenir, c'est bien. McLaughlin qui s'était arrêté, c'était bien dommage, ma foi. Perkins. Il a été malin, il n'a pas continué son action. Allez, pressing à donf, les gars, pressing à donf. Il va l'envoyer sur le côté. Allez, Bieler, montre que t'as de la vitesse. Il a foutu à terre. Bien joué, ça, le tackle était bon, là. J'aime ça, j'aime l'engagement comme ça là. Allez, allez, tu le pousses, je veux pas savoir, il a trop poussé son ballon. Ah non. Non, pourquoi tu reviens à la faute? Pourquoi tu reviens à la faute? Ballon est pas sorti, je suis désolé, t'as pas à revenir à la faute. Bon si tu peux. Là tu peux, mais parfois tu t'as pas le droit. Ouh. Oh le salaud. Il est passé où le ballon là? Ah oh, le salaud, il est passé où le ballon là? T'as un Jones. Larkins il a pas eu de bol là. Ah, ouais, ça tapait entre les jambes de Larkins. Il aurait pas eu le deuxième attaquant là, qui a bien suivi, mais je pense pas que ça serait rentré. Hein. Allez, ça s'est bien joué ça pour Volman. Le centre, peut-être. Oh non! C'est quoi ce contrôle là? Vous avez vu un peu ce contrôle de merde là? Comment tu peux faire un contrôle comme ça quoi? Comment tu peux faire un contrôle de merde comme ça quoi? Bien joué Giorgio. Bien joué Giorgio. Ça c'était un bon tacle. Stephen Dawson. Ah. Ouais. C'est toi qui l'as mis. C'est toi qui l'as mis mon loulou. Ouh, j'ai cru qu'il allait perdre le ballon. Non, c'était pas pour là. C'était pour un. C'était juste pour un. C'était qui au milieu? C'est pour Bieler. C'était juste pour Bieler en fait. Je sais pas pourquoi il est allé me la faire abattre devant là. Dawson. Non, il est pas parti, Volman. Il allait partir, mais il est pas parti. Le ballon qui est tout simplement dans les pieds des leaders. Ah non, il est pas dans le pied des leaders. Le salon. Allez, mais Azog, là, tu restes pas comme ça, là, t'as fait un bon tacle, mais... Ah
non, mais. Un bon abnégation sur cette interception. Ça, c'était re-bien joué à Zog, mais. T'avais fait une bonne interception là. Ah, ça c'est bien joué, mais sauf qu'il est retenu, monsieur l'arbitre. Il est retenu, Bat. Comment voulez-vous qu'il fasse quelque chose là? Il est retenu, Bat. Il peut pas là. Il peut pas là. Je suis désolé, il peut pas. Stephen Dyson. Comment tu veux espérer faire une passe comme ça là? C'est impossible de faire une passe comme ça. Bien joué, McLaughlin. Le centre de McLaughlin. Pour la tête. Oh non! Ça retombe sur Volman, mais Volman qui peut pas la prendre. Ça c'est dommage. C'était pas sorti ça. Oh non, tu peux pas me siffler la mi-temps là, monsieur l'arbitre, je suis en contre-attaque là. Bon mais ils ont eu de la chance. Ils ont eu de la chance sur leur but. C'est pas vraiment mérité parce qu'on domine. On domine un tout petit peu, mais on domine. Et le match reprend à l'instant, c'est le début de la seconde période. Au fourré tout Massi. Et ça va vers la surface. Bien joué ça. La frappe. Oh non. Oh, qu'est-ce que tu m'as fait là? Égalisation au bout du pied sur ce ballon. C'est dommage, c'est dommage. Ça passe juste à côté. Mais c'est qui? C'était Bieler qui était là? Mais j'ai pas échangé. Pourtant Bieler il est bon, blond, et McLaughlin il est pas blond. Ah ouais, c'était Bieler. Qu'est-ce que tu foutais? Qu'est-ce que tu m'as fait là, Bieler? Qu'est-ce que tu m'as fait, Bieler? Là, ça c'est bien joué ça. Non mais vas-y, va lui faire une passe encore plus facile. Va lui faire une passe encore plus bourrite. Franchement. Franchement là, genre que là il a une chance d'aller récupérer le ballon. Putain, et là il y a personne qui me le récupère là. Il y a quand même un sacré jeu collectif dans cette équipe, ça sert tout. C'est salaud, c'est salaud. Comment ça, il est tombé à terre? Il a pris un coup, on dirait, mais il garde sa place sur le terrain. Ça s'est bien joué, ça. Ouais, on a craint un moment pour sa cheville, mais ah. En tout cas, il est pas trop. Ah, le salaud. Comment ça, faute? Bon, il n'y a pas faute. On va se mettre en offensif. Parce que là, je le sens mal. Putain, sur leur seule vraie occasion, là, il y a faute. Là, par contre... C'est arbitré dans l'esprit du jeu, c'est là, ça va sortir. Ça va sortir. Il va rendre le ballon à l'adversaire avec cette touche. Allez les gars, là, on se dépêche là. Je t'ai mis en offensif, je vous ai pas mis en mode sommeil. Hein. Putain. T'as été juste mon garçon là. Hein. Un peu plus et tu la prenais pas celle-là. Le centre, peut-être pour la tête. La demi-volée, putain. Comment ça, il l'a pas, Georgiou? C'est le premier sur le ballon, c'est le premier sur les lieux, et il l'a pas. C'est à lui qui met les stats, là, ouais, et le stat qui va contenter tout le monde d'Hervé, très équilibré. Putain, ils vont nous avoir en plus. Hein. On les a battus 2-0 à l'aller. Et là, on a du mal à faire la différence. Le ballon qui va changer de possession. Allez. Non, c'était pas pour aussi loin, putain, c'était pour le centre. Il était bien en plus. Oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse parce que là, conduite de balle, c'était zéro là. Ça c'est bien joué par contre. Et il va faire de la merde. Putain, il a fait de la merde. Et le mec, il a trois possibilités, il choisit la plus mauvaise, quoi. Et le mec, là, franchement, dans le genre, le type, il fait du caca. Et là, il était bien, là. Ouais, ça s'est pas mal joué, mais ça va pas passer.
Le ballon, c'est le but. L'égalisation. Ah, sur la boulette du gardien. Ça faisait 2-3 fois que Volman y frappait bien là, mais à chaque fois c'était sur le gardien. Et là c'est un petit peu la boulette là. Le rebondi dans le but. En fin de match, 84ème, ouais quand même. Bah je l'ai pas placé en fait. J'aurais bien voulu la placer, mais je l'ai pas placé. Bon bah le bilan est pas forcément meilleur que sur l'épisode précédent. Pour l'instant c'est deux matchs nuls. Ça va totalement sortir. Putain, j'ai eu de la chatte là. D'où il sortait lui là? Qu'est-ce qu'il foutait là? Là j'ai eu de la chance là par contre. Parce que là j'aurais pu me prendre une bille là. Une bille gratuite là. Le centre, allez, c'est dégueulasse. Le contre qui va dans les bras du gardien. Parce que là, je rejoue, il était tout seul. Tout seul, j'avais fait un petit centre en plus. J'avais fait un petit centre exprès. C'est quoi ce contrôle très grossier là? Et le mec, il arrive à placer la passe entre mes deux joueurs. C'est fini normalement le temps là, mon garçon. Ça va. Totalement à l'ouest. Et c'est fini, c'est le match nul. Le match nul à l'extérieur. Avec ce. Hein, ils ont quand même marqué un but. Ils ont marqué un but par rebond aussi un peu. Ouais, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. C'est dommage. On a du mal quand même. Hein, sur. On a du mal quand même. Hein, on galère un tout petit peu. Hein. Ils nous suivent derrière. Hein. Norwich et nous talonne derrière. Norwich nous talonne. Et on va s'avancer vers le match contre Birmingham. Mais on va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici pour cet épisode. Ben voilà, on a fait nos trois matchs. Hein. C'est ça, on a fait nos trois matchs. Oui. Donc on a gagné le premier. Attends, je me souviens même plus. On a gagné le premier. Oui, on a gagné contre. Non, on a gagné le. On a fait un match nul sur le premier. On a fait une victoire sur le deuxième. Et on a fait un match nul sur le match contre Barnsley. Le précédent match, là, juste avant. Donc ça va, le bilan est pas négatif, on n'a pas perdu, c'est toujours ça. Et bon ça va aller comme ça. Pour l'instant, on est toujours premier. Hein. L'objectif, ce serait pas forcément de monter de suite, hein, mais bon. On est quand même bien placé, là. Ça fait plaisir d'être placé là, à ce moment-là de la saison, juste avant le mercato d'hiver. Ça fait plaisir. Ça serait bien qu'on soit champion d'automne, même si ça n'existe pas. Non. Et bien d'ailleurs, on est champion d'automne, c'est le GWEC. On est champion d'automne. Ah mais non, même pas, on a le match contre Birmingham. Qui va nous faire notre place de champion d'automne. Avec Norwich. Ouais. Si Norwich gagne et que nous, on devait perdre, eh bien, on tomberait à. Ils nous passeraient devant. Et on a la différence de but. On a un petit peu plus de différence de but. On a pris 10 buts de moins qu'eux. Ouais. Mais par contre, ils ont marqué beaucoup plus que nous. 53 buts, ils ont marqué. Putain, ils doivent avoir les meilleurs buteurs alors. Voilà. Leroy Fer. Voilà, bon ben on va s'arrêter ici pour cet épisode, donc je vous dis merci de m'avoir regardé, mettez-moi un like si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à partager sur les réseaux sociaux, pardon. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur FIFA 14 ou sur un autre jeu, ciao.